entre deux frères. Alain! Je l'ai pas fait exprès! Encore heureux? Oh non! Alain, c'est une grosse bêtise. File dans ta chambre. Bon, faut réparer ça, s'entraîner. Où est papa? Il est à la galerie avec tante Mathilde. Je vais le chercher. Ma fille Émilie peint des toiles vraiment formidables. Et je ne dis pas ça parce que je suis son père. Bien entendu, monsieur le maire. Émilie serait tellement contente d'exposer dans votre galerie. Aujourd'hui, ce serait possible? Oh, je suis désolée. Mon frère Thomas, le père de Martine, expose déjà ses photographies. Le vernissage a lieu ce soir. Ah, dans ce cas, je m'incline. Ah ben oui, vous exposez votre frère en priorité. C'est du favoritisme. Oh, Émilie, voyons. Mais enfin, papa, tu te rends compte comment il profite de la situation? C'est comme si moi, je profitais du fait que tu sois le maire du village. Allons, allons, ma chérie. Nous trouvons certainement une autre date. Non, c'est tout de suite. Maintenant ou jamais. Ah, les artistes. En tout cas, ma chère Mathilde, comptez sur ma présence pour le vernissage de ce soir. Papa, Alain a cassé la vitre de la chambre de Jean. Maman voudrait que tu la répares rapidement parce que... Oui. Plus tard. Tiens, regarde cette photo. Dis-moi si elle est à la bonne hauteur. Hein? T'en penses quoi? J'en pense que Jean ne va pas être content. Mais c'est pas le moment, là, ma chérie. Pour la fenêtre, tu pourrais demander à ton oncle Jean-François. Il sera ravi de t'aider. Ah oui, bonne idée. Oh, bon sang! Bonjour, Jean-François. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore une de vos géniales inventions qui révolutionne notre quotidien. Oh, une éolienne d'intérieur. Grâce à ma télécommande, je fabrique de l'énergie éolienne même quand il n'y a pas de vent. Bon, bien sûr, il faut acheter des piles. Mais il fallait y penser, hein. Ah oui, une éolienne qui marche sans vent. C'est génial comme idée. Vous êtes sacrément créatif dans la famille. Tu veux parler de mon frère et de ma sœur? Oui. Votre frère photographe expose encore une fois dans la galerie de votre sœur. Moi, je trouve que votre éolienne et toutes vos formidables inventions mériteraient d'y être exposées elles aussi. Y a pas de raison. Bah, c'est vrai, ça. Pourquoi pas moi, après tout? Ah, tiens, quand on parle du loup... Mathilde, ma petite sœur adorée, je t'ai apporté quelques-unes de mes dernières inventions. Regarde, on pourrait faire une belle expo avec ça, non? Ah, mais oui! Oh, ce serait original, très conceptuel. Mais là, tout de suite, ce n'est pas possible. Thomas expose déjà, tu le sais bien. Une prochaine fois, si tu veux. Et pourquoi ce serait lui qui passera en premier, d'abord? Eh bien, parce qu'il me l'a demandé depuis longtemps. T'as toujours préféré Thomas. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. C'est même le contraire. Vous vous souvenez la fois où vous avez pris mon vélo pour aller faire un tour? Et sans me le dire, en plus. Quel culot! Et la cabane que t'avais faite avec Mathilde? Hein? Oh, arrête! Mathilde te donnait toujours sa part de gâteau. C'était toi, son chouchou. Oh là là! Mais vous me fatiguez avec vos chamailleries ridicules. Et voilà, comme d'habitude. Tu préfères fuir plutôt que faire face à la situation. Jean-François, enlève ta machine infernale du milieu de mon expo. Vous êtes vraiment fatigant, hein? Mathilde, dis-lui d'enlever son bidule. Non, c'est à lui d'enlever ses trucs. Oh, vous m'énervez. Continuez comme ça et j'annule l'expo, hein? Ah bah tant pis. Je veux pas partager le fruit de mon travail avec cette andouille. Ah oui? Eh bien moi, je ne veux pas passer encore une fois après ton chouchou. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir deux frères pareils? Je n'avais jamais vu papa comme ça. Mais c'est pas possible d'annuler l'expo, c'est tellement important pour lui. Et pour moi, tout est prêt, tout le village est invité et le maire qui va se déplacer pour rien. Bonjour la réputation. Écoute, je vais parler à papa. Normalement, c'est quelqu'un de calme et de raisonnable. Enfin, normalement. Papa? Papa? Papa est là? Non, je l'ai pas vu rentrer et ma vitre est toujours cassée. Où il est passé? Au fait, Martine, tu peux m'installer dans ta chambre pour travailler? Il y a un gros courant d'air dans la mienne. Oui, bien sûr. Mais bouge-toi, Jean. J'ai pas de place. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens travailler sur le bureau de Martine. Alors moi aussi, il y
n'y a pas de raison. Mais ça va pas, j'ai du travail moi. Martine! Oh, Alain, tu sais que le travail de Jean demande du silence. Tu dis toujours oui à Jean et pas à moi. Tiens Martine, tu me fais réciter mes sciences s'il te plaît? Et moi mes lettres de l'alphabet, s'il te plaît Martine. Je fais réciter Jean et après je te fais réciter, d'accord? Non, moi d'abord. Oh, mais vous n'allez pas vous chamailler pour ça. Ah, t'es rentrée. Il va falloir commander une vitre bonne dimension. Et ce sera pas réparé avant demain. Papa, pour tout à l'heure, c'est vraiment dommage de se fâcher comme ça entre frères et sœurs. C'est gentil, Martine, de te préoccuper de moi. Mais ce sont des histoires d'adultes, tu comprends? Oui, mais ça ne vaut pas la peine de faire tant d'histoires. Oh. A, B, C, D, E... Oui, très bien. Continue. Ta fenêtre sera réparée demain, Jean. Je vais peut-être dormir ici alors, sur un matelas par terre, ça te dérange pas? Et moi, je peux? Oh, mais il n'y a pas de place! Martine! Bah c'est pas juste! Martine, dis-lui toi! Oh, ça y est, c'est reparti! Ils sont aussi pénibles que... Deux autres frères. Tante Mathilde, j'ai tout compris. Tu dois disparaître. Comment ça? Tu vois bien comment Alain et Jean peuvent être jaloux l'un de l'autre. Eh ben, c'est encore pire quand je suis avec eux. Ils croient toujours que je préfère l'autre. Ça me rappelle quelque chose. Justement. Et figure-toi que tout à l'heure, quand je les ai laissés tout seuls, ils ont arrêté de se disputer. Et donc, tu veux que je m'en aille. Mais pour faire quoi? Toi, tu vas prendre ma place à la maison avec mes deux frères qui se disputent ma chambre. Et moi, je prends ta place ici avec tes deux frères qui se disputent ta galerie. Et mes frères vont se rabibocher comme par miracle. Voilà mon plan. Je vais leur donner rendez-vous à la même heure à la galerie en leur disant qu'il faut qu'ils enlèvent leurs œuvres. Si tu n'es pas là, je suis sûre qu'ils se réconcilieront. J'allais justement en ville commander la vitre. Je récupérerai mes photos au passage. Il faut juste que je finisse de prendre les mesures. T'en as pour longtemps? Jean-François, ça n'a pas l'air d'aller. Bof, je viens récupérer mes affaires à la galerie. Ma sœur ne veut pas m'exposer. Je me suis disputé avec mon frère et son exposition est annulée. Comme c'est dommage. Oh, la galerie est fermée. Ouais, c'est Martine qui a les clés. Martine? C'est Martine qui vous a donné rendez-vous? Ça cache quelque chose. Tu crois? Moi, je l'adore, Martine, hein. Mais la connaissant, elle doit tout faire pour sauver l'exposition de son père. C'est normal, après tout. Quoi? Tu crois que... Ne restez pas là à attendre pour rien, Jean-François. Venez plutôt voir mes peintures. Oncle Jeff devrait être là. Et voilà, c'était la dernière. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Tout ça à cause de cette andouille de Jean-François. Quel gâchis. Papa, tu ne veux pas qu'on attende un peu? On pourrait prendre un thé? Non, on y va. Plus vite je me débarrasse de ça, mieux je me porte. Tiens, le voilà celui-là. Mais restez Jean-François, vous n'avez pas encore vu mon 12e autoportrait? Une autre fois, Émilie, hein? Pas tout le même jour. Ce serait trop... d'émotion. J'ai compris ton petit jeu. Tu voulais que je vide la galerie pour pouvoir faire ton expo. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux toujours passer en premier. Parle pour toi, andouille. Double andouille. Triple andouille. Mais arrêtez! Oh, vous êtes pire que mes frères. Papa, finalement, je vais pouvoir exposer ce soir à la galerie. Mais dis donc. Regarde, tes éoliennes, là. Elles sont pas télécommandées, comme les miennes. Oh, c'est marrant, ça. Mais oui, vous êtes différents tous les deux, mais vous vous intéressez aux mêmes choses. Et puis, ce n'est pas très gentil de faire subir vos disputes à votre sœur. Elle est toujours là pour vous. On pourrait peut-être partager la galerie, finalement. Mais oui, les petits fours sont déjà payés et livrés. Oui, ce serait dommage de gâcher. Alors, tout se passe bien entre Alain et Jean? Super. À tout à l'heure, tante Mathilde. Alors, elle arrive? Ah, c'est vraiment bête, elle. Elle a un autre empêchement. Oh non, dommage. Ah, Martine, où est ta tante? Je viens lui annoncer une bonne nouvelle.
Émilie peut sauver son vernissage. J'ai appris que l'expo était annulée. Quel dommage. Non, non, attendez. Ma tante a un empêchement, mais l'exposition a bel et bien lieu. Quelle chance que vous soyez tout de même venue. Chers amis, je voudrais porter un toast à Martine, qui nous a réconciliés, mon frère et moi. Mais aussi à Émilie, qui m'a donné l'idée d'exposer. Je n'y aurais pas pensé tout seul. C'est mon Émilie, ça. Toujours son grand cœur. Tante Mathilde ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien, tes frères s'entendent à merveille. Je ne voulais pas rater le vernissage de mes frères à moi dans ma galerie, tout de même. Ah, Mathilde ! On n'attendait plus que toi. Viens voir mon installation ! Non, non, non. Mon installation. Regarde, tu préfères l'éolienne ou la photo d'éolienne ? Moi, je préfère la photo. Et moi, l'éolienne de tonton. Ah non. Ça y est, ça recommence. Ouf, bah c'est pas de tout repos d'être coincée entre deux frères. Hein, Martine ? Oui, on se comprend bien toutes les deux, comme des sœurs.